Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est IsenerfKai, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une annonce exceptionnelle de Niantic, puisque après presque un an après le début de la troisième génération qui avait commencé pour l'événement Halloween de l'année dernière, eh bien, Niantic a enfin annoncé l'arrivée de la quatrième génération, accompagnée de nombreux changements majeurs. Et on va commencer par les changements majeurs et ensuite on s'attardera à la vidéo avec donc le tease de la quatrième génération. Donc, changement dans la migration et le comportement des Pokémon. Tandis que vous explorez le monde de Pokémon Go, les changements suivants auront une influence sur les Pokémon que vous rencontrerez. Nous effectuons un ajustement du système de météo et à l'avenir, elle aura un impact plus réduit sur les taux d'apparition des Pokémon. Ça, c'est un premier changement que je trouve personnellement très dommage. Parce que je trouve vraiment que l'apparition augmentée des Pokémon avec la météo, c'était un petit peu le charme de la météo. C'était un petit peu parce qu'il nous motivait. Je veux dire, t'as des météos, tu t'en bats les couilles. Excuse-moi, la météo soleil, bon, c'est pas la météo que t'as plus envie d'avoir. Alors quand t'as la météo vent, t'as des mini-draco boostés, des drabi, des terral, etc., etc. Là, on est quand même sur un niveau d'intérêt quand même très élevé. Donc ça, c'est un problème, je trouve ça un petit peu dommage. Alors après, il faut voir, est-ce que c'est vraiment beaucoup réduit ou juste un petit peu. Faut voir. Ensuite, lorsque vous explorez certaines zones, vous remarquerez qu'une grande variété de Pokémon apparaîtra au fil du temps et des taux d'apparition différents. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, effectivement, parce que c'est vrai qu'en général, quand on va dans un endroit, on sait dans quel Pokémon on va tomber. Alors en général, tu sais que tu vas tomber sur des Funette, ou du Rattata, ou du Machoc, ou du Mysterve. C'est souvent les mêmes Pokémon. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très bien. Ça apporte de la variété, du renouvellement permanent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Ensuite, certaines zones telles que les parcs et les réserves naturelles abriteront dorénavant des Pokémon plus variés. Ça, pareil, très intéressant. Voilà, de la variété, du renouvellement. Ça peut avoir que du bon dans le jeu. Enfin, ce qui est vraiment bien, je trouve, c'est l'évolution. Quand il y a de l'évolution, c'est vraiment que j'aime bien parce que Pokémon Go, je trouve, c'est vraiment un jeu des fois qui a des moments où c'est lassant, c'est un peu là, c'est un peu répétitif. Et là, on va voir ce que ça va donner, mais ça peut être très intéressant. Ensuite, changement dans l'efficacité des Pokémon au combat. Nous tenions également à profiter de cette opportunité pour équilibrer le système de combat du jeu. Dans la semaine à venir, vous remarquerez certains changements suivants. Donc ça, clairement, ces changements-là sont pas anodins. Niantic a annoncé, il y a pas mal de temps, qu'ils voulaient sortir le PVP avant la fin de l'année 2018. Donc ces changements, ils sont clairement à la poignée. Donc, les valeurs des PC seront ajustées à l'avenir pour améliorer l'équilibrage du jeu. Donc ça, quelque chose, je trouve très bien. Voilà, je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait une si faible quantité de Pokémon qui ont vraiment des gros PC. Parce que du coup, finalement, on utilise toujours les mêmes. On utilise toujours du Mac-Cogneur, du Kyogre, du Groudon, du Mewtwo, du Raikouda, du Dracolos, du Tyran aussi. On utilise toujours les mêmes. Justement, il y a plein de Pokémon, je trouve, qui sont un petit peu snobés. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, les valeurs de PV seront ajustées afin de réduire l'écart entre le Pokémon PV élevé et Pokémon PV plus faible. Ça, je trouve ça quand même très intéressant parce que, voilà, quand tu vois des Pokémon comme l'Euphorie, je crois que c'est 400 PV, et avec ton plasma ou Deoxys qu'on en sent à fond, bah c'est pas normal quoi. Je veux dire, dans Deoxys, t'as à peine le temps d'avoir une attaque chargée qu'il est déjà mort. Donc là, une attaque chargée, je suis gentil. Donc ça, c'est vraiment un excellent changement. Ensuite, les valeurs de défense et d'endurance des Pokémon seront équilibrées, permettant aux Pokémon axés sur la défense de prouver leur valeur au combat en remboursant les assauts de leur adversaire, plutôt qu'en se concentrant de jouer la montre. Ça c'est pareil, très très bien. Je veux dire, là dans les arènes, quand on veut tenir une arène, on met des l'euphorie, des ronflex, des levénards parce qu'ils ont beaucoup de PV. On sait qu'ils vont être loin de tuer, mais on n'espère pas qu'ils vont résister aux assauts, on sait qu'ils vont prendre cher, mais qu'ils vont quand même tenir assez longtemps. Donc effectivement, en rééquilibrant l'endurance et la défense de ces Pokémon, donc en leur permettant de repousser leur assaut plutôt que simplement de jouer la montre, je trouve ça très intéressant. Et enfin, pour finir, les valeurs de défense de la majorité des Pokémon ont également été légèrement réduites. Ce type de changement aidera à réduire les écarts entre les Pokémon force les plus élevés et votre Pokémon. Ça, très bien, on continue dans l'aspect de rééquilibrage. Donc,
À l'avenir, vous pouvez vous attendre à des ajustements supplémentaires visant à aider les dresseurs et leurs Pokémon à exprimer tout leur potentiel. Nous avons hâte de découvrir ces changements à vos côtés, tandis que nous explorons le monde ensemble. Partez à l'aventure. Donc, on va faire un petit bilan donc, sur ces changements au niveau des Pokémon. Moi, j'attends de voir, maintenant, on attend de voir, mais sur le papier, je trouve ça vraiment très très bien. Franchement, c'est vraiment très très bien, parce que, bah voilà, et pour moi, il y a trop de Pokémon. Sans se nommer tous les Pokémon à vocation défensive, je pense au golem qu'on a eu pendant les 3 mois de l'été, que clairement, tout le monde n'avait rien à foutre, parce que la défense, actuellement, ça sert à rien dans le jeu. Je pense à des Pokémon comme Steelix, qui ont une excellente stat défensive, mais qui ne sont pas joués parce qu'ils sont justement des Pokémon défensifs. L'Euphorie, le Venard, en flex, pareil. Et bien voilà, peut-être que ces Pokémon peuvent avoir un intérêt dans le futur, et des Pokémon avec des PC plus faibles qui pourront être ajustés, un petit peu augmentés pour avoir une chance de tenir face à des monstres comme Dracolos ou Tyranocyx. Et bien je trouve ça très bien, parce que pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur mon compte, je suis passé triple 40, et bien vous avez vu qu'il y a plein de Pokémon que j'ai maxé qui sont très très faibles, hein. Nidoqueen, Nidoking, Nidorua, Sablero, Cacturne, Ratatatalola, bon celui-là ok. Un peu exagéré, mais dans les Noku et les Noking. Voilà, et bien, j'espère que ces Pokémon, à l'avenir, avec ces changements, auront la possibilité de rivaliser, pardon, et bien, au moins un minimum avec ces Pokémon. Donc, et bien, voilà ce qu'il faut retenir donc, de ces changements donc, pour la météo et donc pour les Pokémon. À présent, attaquons-nous, et bien, à la partie peut-être la plus intéressante quand même, cette annonce la plus excitante, et bien voilà, c'est l'annonce de la quatrième génération d'une petite vidéo de 20 secondes, un petit tease donc, que je vais donc faire passer. Je vais vous laisser la regarder et ensuite je décortiquerai, pardon, et bien avec vous cette vidéo, car il y a une petite chose vraiment que je tiens vraiment à noter. C'est parti. Ok, donc, on va donc repasser l'annonce, ok, on fait pause, donc, alors, j'avance un petit peu, et là, premier moment important, on peut donc apercevoir Tortipus Starter de la première génération, non, quatrième génération, pardon, qu'est-ce que je raconte, moi, de la quatrième génération, excusez-moi, donc, voilà, on peut très clairement le reconnaître avec ses deux petites feuilles au niveau de son antenne, on peut très facilement le reconnaître, donc ça fait très plaisir. Sa dernière évolution de type plante et sol, j'attends de voir les stats qu'il va avoir, mais ça peut être intéressant. Ensuite, si on avance un tout petit peu là, et ben là on peut donc avoir, on peut donc apercevoir Wistikram, le starter, et bien de type feu de la quatrième génération. On le reconnaît très bien avec la petite flamme au bout de sa queue, son petit corps par rapport à sa grosse tête. Ok, on enchaîne donc. Alors, ça fait plusieurs fois que je le regarde, j'arrive pas à voir vraiment c'est quoi les Pokémon. On suit des petits hiploufs. On a des petits hiploufs, des petits alimentaires. Mais ensuite, il y a un moment vraiment que je veux retenir. Voilà, c'est celui-là. Et voilà. Et donc là, on peut très clairement apercevoir Giratina, donc légendaire, emblématique quand même de cette quatrième génération de type dragon et spectre. Bon, ça fait. Voilà, ça me rappelle un petit peu le tease de la troisième génération, où on a eu pas mal de Pokémon de la quatrième génération qui avait été tease. Et à la fin, on avait Groudon. Voilà. Quand voilà, il faut quand même bien se souvenir donc que l'année dernière, pour la voilà donc pour prendre donc le tir de la quatrième génération, Groudon, mais donc, comme je l'ai dit donc avait été aperçu et c'était donc le premier légendaire à arriver dans les raids de la troisième génération. On est actuellement le 9 octobre, donc dans le 31 octobre c'est Halloween et voilà, on a eu une petite newsletter officielle de Pokémon Go donc, qui a très clairement annoncé l'événement d'Halloween. Donc,
Étant donné que Giratina est un Pokémon de type spectre et que dans l'événement Halloween, les baleines spectres sont augmentées, que Mewtwo se termine le 23 octobre, eh bien, est-ce que Giratina pourrait donc apparaître, eh bien, Halloween à partir du 24 octobre? C'est qu'une théorie, il n'y a rien officialisé, mais c'est extrêmement probable. En tout cas, voilà, ils ont officiellement annoncé la quatrième génération. On n'a pas de date précise concernant eh bien, son arrivée, mais si l'annonce vient d'être faite, c'est que très probablement dans les prochains jours, prochaines semaines, très probablement pour Halloween, eh bien, nous aurons la première vague de la quatrième génération, avec très probablement les Pokémon Spectre. Je pense à l'évolution de Fauvorev, l'évolution de Skullinox, Giratina, Spiritomb, une évolution alternative de Salyama. En tout cas, ça fait très très plaisir. J'espère en tout cas que cette annonce vous aura autant excité que moi, parce que vraiment, j'ai vraiment tellement hâte que ça arrive. Je vous tiendrai informé de tous les changements qu'il y aura, parce que là, c'est que sur le papier, mais on ne sait pas encore concrètement ce que ça va donner. Donc, dès qu'on saura vraiment ce que ça va donner, je vous ferai une petite vidéo donc, pour tout vous résumer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.